Tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la partie 5 de notre live sur Harry Potter at the and the Sorcerer's Stone on PS1. Et donc, on se retrouve donc sur le chemin de traverse après que Hagrid nous ait tout simplement gentiment demandé d'aller faire ses courses avec notre argent pendant que lui allait se bourrer la gueule avec quelques copains. Bref, on est bien. Du coup, on va pouvoir explorer. En plus, la musique est jolie, du coup, moi j'aime bien. Donc dans un premier temps, il faut que nous allions à Gringotts. Donc allons-y. Et là, je pense qu'on va avoir droit à des grands moments d'extasie. Non, pas du tout. D'extase tout court. Bref. Maintenant qu'on est un putain d'esclave, on va aller faire ce qu'il nous demande. On n'a pas de choix. Nous sommes des fonctionnaires. Nous travaillons à un rythme proche de l'allure. Et mon cul, ah. Non, ça marche pas. Voici donc l'administration de l'université. Putain, ils sont obèses les gobelins. En plus de faire ma taille, ils sont obèses. Bienvenue chez Gringotts, monsieur. Jamais Potter. De la vie, ils parlent comme ça, pour les gobelins. Pour accéder aux chambres fortes, vous devez rassembler tous les formulaires adéquats, puis les donner aux gobelins à l'extérieur de la porte. Oui, d'accord. Lorsque vous franchirez cette double porte, vous trouverez la chambre forte numéro 1 sur votre gauche. Bonne chance. Bonne chance. Ok. Bon, allez, c'est le moment de s'éclater. On va tous s'amuser. Allez, ça c'est le coffre. Aimeriez-vous récupérer quelques noises? Ben oui, connard, accessoirement. Pour pénétrer dans le coffre numéro 1, il est indispensable de remplir certaines formalités administratives. Le justificatif et donc, 113 tous les formulaires adéquats. Vous n'avez pas été assez rapide, je suis dans l'obligation de vous demander de recommencer. Mais FDP, j'ai même pas commencé à jouer. Genre, vous n'avez pas été assez rapide, connard. Ça glisse. Bon, Mireille, je vois qu'elle a bien fait le ménage, mais quand même, il y a des limites. Genre là, quand même, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. C'est un petit peu trop propre. Hein. Il y a un moment, quand même, on arrête les conneries, les gars. Ça, c'est un peu dangereux. T'imagines, tu travailles dans un endroit comme ça et à chaque fois que tu marches, tu peux te péter la gueule. C'est dangereux. C'est dangereux. Waouh. Pfiou. Je me demande dans la vraie vie qui détient le coffre-fort numéro 1. Aucune idée. Une très vieille famille avec des très vieux riches. Bonjour, monsieur Potter. Bonjour. Je vais vous expliquer comment diriger le wagonnet. Le wagonnet. Orienter le wagonnet vers la gauche ou vers la droite à l'aide des touches directionnelles. La touche croix bloque le wagonnet, ce qui vous permet de récupérer certaines des noises les plus difficiles à atteindre. Mais soyez très prudent. La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. Et si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes qui ne servent à rien dans cette mine. Ramassez autant de noises que possible pour terminer le niveau. Waouh. Ah, ça me fait de la gerbe déjà. Là, on est sur un gameplay comme la voiture de Harry Potter 2. Oh non, j'ai raté une noise. Oh. Ça tourne. Appuyez sur X pour stabiliser les wagonnets. What? Oh, son perso là. Money bitches, money bitches. Non, je vais pas dans le bon sens. C'est pas grave. Oh, attention. On va faire le grand saut, les amis. C'est grip sec, prends-toi ça dans la gueule, non? Wow! Putain, c'est bien foutu. C'est bien foutu leur système là.
Ça file un peu la gerbe. Money, money, money. Bon, écoutez, c'est facile hein, comme jeu. Est-ce que j'ai tout? Ah, son ancêtre. Ça passe. Allez, plus que quelques noises. J'ai ce qu'il me faut ou pas? Félicitations, Monsieur Potter. Vous avez réussi. Waouh. Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la banque. Ah d'accord, il te propose de réessayer et tout. Non, mais ça va pas. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Un truc comme ça, je me fais apparaître des skis. Voyons voir. Oh, mais vous avez une noise. Voulez-vous essayer de récupérer une mornie maintenant? Attendez, c'est quelle voix française ça? C'est quelle voix française? Putain, Merde! Putain, c'est super connu comme voix. Attendez. Oh, mais vous avez une noise. Voulez-vous essayer de récupérer une mornie? Mais c'est la même voix que Malfoy! C'est le doubleur de Malfoy. Voilà, c'est ça. J'arrivais pas à savoir où je l'avais entendu. Si vous voulez obtenir une mornie, vous devez à nouveau rassembler tous les formulaires adéquats. Administration, tu auras ma peau. Déjà que dans la vraie vie, je déteste remplir des papiers, alors là... Tu cherches des noises? Pardon. Cette blague était beaucoup trop facile. Oh là. Petit 360, no scope. Ah, je peux pas tirer de sort ici. Merde. J'avais bien envie de leur mettre un flipendo dans la gueule là, mais ça n'a pas fonctionné. Alors là, il va pas falloir se chier sur la fin. Ah, ça va être juste. Oh là là. Hashtag l'administration de la fac. Cerveau en éruption. Et quand tu streams depuis un moment, au bout d'un moment, tu sais plus ce que tu fais. Il est déjà 23h. Bonjour, monsieur Potter. J'ai cru qu'on... Mais je me demande s'il en est le même pour les morts. Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes bonus. D'accord, oui, je m'en fous. Soyez... N'oubliez pas. Bonne chance. Appuyez sur croix pour stabiliser les wagonnets. Bon, bah écoute, on est plutôt bien là, Jean-Michel. Non, Jean-Michel Jarre. Attention, Potter, rentre la tête. Ok, ça passe. De l'argent. Alors là, elles sont un peu plus hautes les pièces. Déconnez pas, les gars. C'est des putains de radins, quoi. On sent toute l'urgence de la situation. Ah non, merde. J'ai déconné. Ok, ça passe. Ah, ça tourne plus, merde. Bon, j'ai pas toutes les gemmes, mais c'est pas très grave. Wow. Non, pas du tout. Ah non, j'ai perdu des noises. Enfin, des mornilles. Chier. Ah, je suis deg. Je n'ai aucune idée de ce à quoi servent les pièces précieuses, mais... Enfin, les pierres précieuses, mais c'est pas très grave. Ah, j'ai perdu tellement de thunes avec cette histoire là.
concentré. Mais en vrai, j'aime bien moi ça. Le mieux, c'est les galions, ça va tellement vite. Ah non, j'ai perdu tellement de pièces. Je veux plus d'argent. Plus d'argent. Oh non. Oh mais comment je chier toutes les pièces quoi, c'est un truc de malade. Vous m'expliquez pourquoi vous avez les contenus de mon coffre qui se baladent dans les couloirs comme ça? Hein? Non mais je suis curieux de savoir en fait. Si vous avez une explication à me donner, oh putain. Comment ça file la gerbe? Oh mais genre... Comment chier les pieds? Non! Oh putain. Je m'attendais à une bien meilleure performance de votre part. Et souvenez-vous, gauche et droite et touche croix pour arrêter le wagonnet. Oui, on va arrêter le wagonnet. Allez, deuxième tentative, ça va bien se passer, vous en faites pas. Ça va le faire. Jouer comme ça, mais je suis bien. Putain, j'ai perdu tellement de morni comme un con, quoi. Quel nul. Quoi. Oh. Tour complet. Oh, putain. Où est le haut? Où est le bas? Je n'en sais rien. J'espère que vous n'avez pas la gerbe chez vous. Moi ça commence. Le monde sorcier c'est vraiment de la merde. Quand tu te sors de l'argent t'es obligé d'être malade quoi. Surtout que là on fait juste de quoi retirer de l'argent pour ensuite acheter les trucs nécessaires pour sauver le dragon. Comment chier toutes les pièces, parfait. J'avais trop d'argent sur moi. Allez FTP putain. Ça c'est infernal. Bon, je crois que je me suis chié là. Ouais, je me suis plutôt bien chié de manière colossale. On va pas se mentir. On arrive à la fin. J'ai pas un truc dans la gueule, vous allez voir. C'est la fin. C'est la fin. Je m'attendais à une bien meilleure performance de votre part. Et souvenez... Ah putain, ça commence. J'ai le cerveau qui commence à fondre là. Non mais sérieux, si à chaque fois que tu devais retirer de l'argent, tu devrais faire ça, ce serait ouf, il y aurait moins d'obésité. En ce McDo, je te retirais de l'argent. Ah non, oui. Plus besoin d'aller à Disney avec ça, c'est tellement ça. C'est bien le wagonnet, hein? On aime bien. Ah putain non, je me suis bloqué au pire endroit. Oui oui, c'est ça le passage chiant.
Il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de sauvegarder pour le refaire. On sent que je m'éclate ou pas? Je m'amuse hein, là, non mais ça on dirait pas mais je m'amuse. Putain quel bel air. Putain, ils ont même repris les creeps pour Harry Potter 2 quoi. Je me suis bien chié. Soyons honnêtes, je me suis bien chié. Attendez parce que là j'ai pas droit à l'erreur. Mais je comprends rien à ces putains de flèches qui tournent là. Bon j'ai fini. Normalement là c'est la fin. Je me suis chié dessus, tout va bien. Ah ça passe, ça passe. Je les ai, c'est bon. Mais putain c'était juste hein. Le mec il a l'amusement discret quand même. Voulez-vous recommencer? Imagine t'es con, t'as pas écouté et t'appuies sur oui. Imagine juste le moment où t'es con et t'appuies sur oui. Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la Merci banque. Connard, j'allais passer par les tunnels. Bon allez, maintenant on va choper les galions. Les galions. Attendez, je galère. Si tu mets oui, je boycotte ce stream. On va le faire pour les galions, ce sera encore plus marrant. Ça glisse. Parfait. Vous avez maintenant une. Si vous voulez obtenir un galion, vous devez à nouveau rassembler tous les. Oh la chienlit quoi. Je glisse. Je m'accroche à la vie. Putain, Ron, on t'avait dit de pas venir t'astiquer à Gringotts quoi. C'est dégueulasse. Regardez ça, il en a foutu partout, ça glisse partout. Imagine, y'en a un qui fait un pet de travers, quoi. Il se déplace de 3 mètres, tellement ça glisse. Et alors, un peu foireux, je vous en parle même pas. Vite! Plus qu'un. Ok. Los Galiones. Comment ça t'as fait? T'as une mornille, il soude ma gueule ou quoi? T'en as chopé au moins 50. C'est pas Ron, il serait jamais venu dans les couleurs des galions. Ah j'avoue, il est pauvre. C'est vrai. Oh, le célèbre Monsieur Potter. Mais c'est votre la voix de réputation n'est plus à faire parmi nous, vous savez. Tu viens de m'insulter tête les de gland il y a une demi-heure de ça. Que... Faites pencher le la touche croix, arrête le wagonnet. Le wagonnet. Soyez prudent, Harry. Si vous voilà, maîtrisez pas. Allez, les galions, c'est parti. Toujours plus haut, toujours plus fort. Non merde, c'est quoi? Toujours plus haut, toujours plus nain, toujours plus fort. Je tourne la tête en même temps parce que ça m'aide à me concentrer. Sur un dubstep de Harry Potter, ce serait pas mal. En fait, j'aimerais trop vous mettre de la musique pendant que je fais ça parce que au moins ça vous intéresserait un minimum. Attendez, je suis pas prêt.
Mais surtout que ça va au compte-goutte quoi les galions, hein, putain. Oh, j'ai cru faire un perfect mais non. Ça aurait été trop facile. Palapin, palapin, palapin. Oh là. Hop. Comment j'ai anticipé. Non. J'ai raté le galion. J'ai raté ma vie. Oui, imperfect. C'est beau. Si je first try les galions. Oh putain. Ah, je fais pas first. Oh putain. Oh les bâtards. Oh les gros enculés quoi. Non, franchement, ça se fait pas. J'ai perdu un taquet de pièces. Jamais de la vie, j'aurai ce qu'il faut. Si je first try les gagnants, boum boum. Si j'ai first try les gagnants, allez, sucez-moi. Oh, trop bien! Bravo, monsieur Potter! Vous avez récupéré vos gagnants! Voulez-vous recommencer? C'est bon, t'as changé de voix entre temps. Bref. J'ai first try. Veuillez emprunter cette porte. Donc, fermez-la. Faut jamais parler trop vite. Ouais, bah en attendant, j'ai réussi, moi. Pa 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 pa. Genre, il a réussi. Je crie au scandale. C'est un scandale! Il n'ira pas là-bas. Faudrait demander à Hagrid. Vous avez récupéré les trois pièces, monsieur Potter. Pardon, veuillez m'excuser. Monsieur le gobelin, je m'en fous de votre vie en fait. Mais il a réussi en plus. Genre, vous êtes choqués, vous êtes vraiment des enfoirés. Genre, vous n'aviez aucune confiance en moi, quoi. Choqué et déçu. Bon, maintenant on va pouvoir aller baiser des mères. Fermé pour cause d'épidémie familiale. Ah, très bien. Super. On a tous la lèpre. Tout va bien. Ah, le rat qui fait de la corde à sauter, excellent. Soyez le bienvenu à la ménagerie magique, Harry. J'attendais votre visite. Depuis quand tu sais que je suis censé venir? Les trois verrues font un galion, mais pour les récupérer, vous devrez d'abord retrouver mon gros crapaud. Non, je veux pas retrouver ton gros crapaud. Je viens de recevoir une importante livraison et mon gros crapaud violet en a profité pour se cacher derrière les cartons. Dès que vous le retrouverez. D'accord. Mais faites vite. C'est dégueulasse. Alors, voyons voir. Alors là... Merde. Je vais me faire défoncer. J'ai plus le droit à l'erreur. Il faut trois verrues. Ta mère le crapaud. Ah, attendez. Pause. Bon ben voilà. Oh, ça y est.
Quand je vois HP 1 sur PS1, je me dis que le 2 a largement été pompé. Ah, mais totalement. En vous remerciant, Harry, et au plaisir de vous revoir. Elle parlait de son cul, la meuf. Non, mais pas loin. Mon gros crapaud violet. Oh putain, mais la voix qu'elle se tape, quoi, la pauvre. J'aurais presque de la peine pour elle. S'il n'y avait pas un mini-jeu aussi chiant que la pluie. Ping, pang, 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 pang. Chez Ollivander. Ah oui, on va courser des phénix. Dans deux pans. On va courser un pan. Oh putain, cette gueule. Je suis l'homme pénis. Oh, mais qu'avez-vous là? Trois noises. Dans ce cas, je vous en prie, prenez toutes les plumes de pan qu'il vous faut. Oh, tu as un galion? Je suis Mon ta pute. Pan vit dans la cour. Je vous conseille de l'approcher à pas. Qu'est-ce qu'il fait le mec derrière? Quand on le surprend, il perd ses plumes. Mais je vous préviens, faites un petit tour, je vous en prie. Vous trouverez quantité de boîtes remplies de choses dont je ne me souviens même plus. Ils ont fait un copier-coller, ce shit. Un peu ça, je crois. Alors, il faut surprendre le pan. Surprenons la bête. Oh, attendez, il est où, ce connard de pan? Non! Ah, le bâtard. Allez, arrache-lui une putain de plume. Enculé de pan. Reste là. Depuis quand c'est bleu comme ça un pan? Allez. Ah, putain, ta mère la poule, va. Attendez, ça demande un peu de concentration. Attendez. Ça demande un tout petit peu de concentration. Putain. J'ai à moitié du timer pour choper une putain de plume. Mais il court vite en plus cet enculé là. Arrête de fuir. Je suis vraiment un putain d'enfoiré. Ordure, reste là. Mais... je t'avais presque. Allez, nique tes morts. C'est bon? Voilà. Vous avez pu prendre les trois plumes qu'il vous fallait. J'étais certain que vous seriez à la hauteur. Le pan fait un bruit de poule. J'ai tout fait. Bref, on a chopé les plumes, c'est parfait. Nique-t'es-moi. Du coup... le dernier truc, c'est là. Au royaume du hibou, chez Erol. Bonjour. House. Oh, monsieur propre. Vous allez voir, c'est un... on dirait un mec de... on dirait un personnage de Dragon Ball Z. Parfait. Recrame. Parfait. Vous pouvez donc choisir une plume de grand duc. Mon grand-duc se trouve dans la volière, mais il est assez nerveux. Je vous conseille de le nourrir avant d'essayer de lui dérober une. Vous trouverez sa nourriture sur la table de la volière. Utilisez le maléfice de... appuyez sur la touche croix pour ensorceler après avoir mangé le... D'accord, c'est Professeur Xavier en version Dragon Ball Z. C'est monsieur propre. Pom, 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 pom. Regardez tous les JPEG de hibou que t'as derrière. C'est dégueulasse. Ça n'a aucune race. Wingardium Leviosa. Alors il faut faire gaffe aux hibou qui pourraient venir essayer de grailler la bouffe. Voilà. Ah, il faut lui filer plusieurs cacahuètes, évidemment. Non, mais tout est un maléfice dans ce putain de jeu. Oh, easy peasy, la famille. Easy peasy.
Move your body, bitch. Allez. Tout ça pour une putain de plume, hein. Je pouvais pas lui faire un stupéfix et genre lui dire d'aller se faire enculer. Non, ça fonctionnait pas. Ça, ils me l'apprennent ou pas, les hiboux? Non, quand même, c'est pas des putes. Olé, olá. Ce serait l'un de mes cours préférés, j'avoue, ce serait plutôt métal. Allez. Je vois que vous avez récupéré une plume. Toutes mes félicitations. Et au pire, vu que t'aimes... Au pire, vu que t'es un putain de marchand, genre quand je te file de la thune, t'es censé me filer ce que t'as. T'es pas censé me dire, bon, ben démerde-toi. Genre, il y a un moment, genre, quand on te demande un truc, c'est toi qui es censé le fournir, pas les gens qui sont censés se démerder pour le récupérer dans ta boutique. Ça fonctionne pas comme ça. Bref. Bon. On va pouvoir retrouver Hagrid, qui a fini de se bourrer la gueule après 30 minutes quand même. Oh Harry! Bravo Harry! On n'a plus qu'à rentrer à Poudlard pour guérir l'ordre. Ah mais t'as l'air joyeux toi. Apparemment ça t'a plu hein là. Hein? C'est de la poudre de gnome, non? Enfin chez soi, c'est pas trop tôt. On va pouvoir donner à Norbert un peu de dragon fortant. Ok Kram, merci à toi, à la prochaine. On a réussi! Norbert est de nouveau sur. Ouais, putain, c'est efficace, hein, leur truc. Oh, merci, Harry. J'étais si inquiet. Je m'en bats les reins. Je suis content qu'il aille mieux, mais je suis triste à la fois. Il est assez grand pour voler de ses propres ailes, maintenant. Il va vouloir partir, maintenant, mon petit bébé. Et brûler le château. Mais moi, je veux le garder ici. Comme ça, je pourrai veiller sur lui. Ah, putain, ce doublage de mongol qu'ils lui ont fait. Oh, je pourrai veiller sur lui. Harry, Ron et Hermione. Depuis quand ils étaient là, Ron et Hermione? Temps libre dans la cabane de Hagrid. Hermione, pourquoi t'habiller comme une pute? Convaincre celui-ci de relâcher Norbert. Il est moche ce pull fluo là. Hagrid finit par céder à leur supplique et accepta. Bon, d'accord, vous pouvez sortir. Cette nuit-là, Harry emmena Norbert. Oh, la la stache mou qu'il a, le mec à gauche. Il y confia le dragon à des amis de Charlie. Et le mec au fond à droite aussi, il est fat. Qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Lorsque Norbert fut parti, le piège de Malfoy se referma sur Harry, qui fut mis en retenue par le professeur McGonagall. C'est un pull de vrai sang de bourbe, ça. En guise de punition, Harry dut pénétrer dans la forêt interdite pour retrouver une En guise de punition, coup de fouet. Attends, on est déjà à la forêt interdite. Hein. Autant vous dire qu'on se met bien. On va se séparer et chercher la licorne blessée chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. D'accord. Sois prudent, la forêt n'est pas toujours notre amie. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque Dur n'en fera qu'une bouchée. Alors. Ok. Ron? Il doit pas être loin, Ron, hein. Il y a des traces. Incendio. Oh putain. Je suis trop con. Ok. Putain Ron, chier quoi. Gros dégueulasse. Ron. Pourquoi je me fais chier? Où
D'accord, la musique a décidé de se casser. Putain, Ron, ça colle, c'est dégueulasse. C'est pas du sang argenté, ça, Hagrid. Ah, d'ailleurs, mon sort... Oh, putain. NTM. Fais ta vie. Moi, je m'en fous. Tiens, bouffe-toi ça. Fuck. Oh, comment je me suis chié dessus. Bon, au pire, en soi, on s'en branle, non, de leur vie. Allez, casse-toi. Allez, attrape ça. Ouais, le mec court au calme dans les ronces, totalement. Dans la forêt aussi, il y a un moment, c'est exactement la même forêt. Incendio. On n'aura pas du tout l'impression de jouer au même jeu la semaine prochaine. Enfin non, pas du coup pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Puisqu'effectivement, la semaine prochaine, je ne suis pas là, il n'y aura pas de live. J'en profite pour le dire. Ça n'aura plus aucune sorte d'actualité pour la rediff, mais pour les gens qui sont en live en ce moment. Ah oui, mais c'est la même forêt, hein, tout est pareil. Hein. Oh putain. La plante de hentai. Allez, NTM. Incendio. Donc là, les traces mènent par là. J'ai pas envie de retrouver Ron, moi je veux retrouver la licorne. D'accord. Bon, en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une potion? Non. Bon, ben, suivons les traces qui collent. Ça m'a l'air bien. Ah! Tiens, prends ça dans le cul. J'aime bien parce qu'elle change de couleur en fonction du nombre de fois que tu es tiré dans le cul. Ah. Cette musique qui est tellement belle à chaque fois. Magnifique! Une flamme qui vient de sortir du trou du cul d'une tortue géante nous a permis d'ouvrir le chemin. Parfait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi aussi, tu suis les traces blanches? Hé, Potter! Ce gros lourd de Hagrid m'a dit de te dire qu'on n'avait pas encore trouvé la licorne. Ce gros bêta retrouverait même pas sa tête sans regarder sur un plan. La licorne, en fait, c'est le nom de code pour la bite de Ron. Ce serait dommage. Je viens de comprendre. Rappelle-toi. Ok, et tu vas où comme ça, Connor? Très bien. Ok. Bon, là, clairement, on est à la fin du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on va directement aux épreuves et on a fini le jeu. Donc, on est plutôt près de la fin. On va pas se mentir. Le jeu est ultra court, mais je me rendais pas compte, hein. Mais il est super court le jeu. Putain, même pas 3 heures de jeu. Oh là là. En vrai, à l'époque, quand t'étais jeune et con, genre, le jeu, mais il avait une durée de vie, mais il était interminable le jeu quand t'étais plus jeune. Mais là, putain. C'est là que tu te rends compte en vieillissant qu'en fait t'étais très con quand t'étais jeune. Tu jouais vraiment à des jeux de merde. Bon, ça t'empêche pas aujourd'hui de jouer à Call of Duty ou à FIFA, mais Ripendo. Ouais, t'assumes. Ripendo. Je suis pas sûr que tout le monde assumerait d'avoir joué à ce jeu aujourd'hui. Ripendo.
Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas encore compris le principe, je vous rappelle que le chat, il s'affiche à l'écran. Du coup, si vous voulez pas qu'on vous compromette, évitez de dire de la merde. Ouais, mais heureusement qu'on était très cons, ça nous a créé des souvenirs cool, je trouve. Mais clairement. Mika, je te rappelle que tu as enchaîné 6 défaites contre moi. De sang argenté. Je ne comprends pas ce qui peut tuer ces licornes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ah, si tu savais, la branlette intensive, ça en tue des licornes. Il y a quelque chose dans cette forêt qui n'a rien à y faire. À chaque fois que vous vous masturbez, alors, les enfants, une licorne meurt. Sois prudent et ne t'écarte pas du chemin. Suis bien les traces qui collent. Ok. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout, très bien. Bon, moi je veux trouver Voldemort, moi. Allô? 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 Singero Picasso. Nanana. Oh putain. God damn it. Allez, mets-moi ton fion. Oh le bâtard. Mais t'es vraiment codé avec le cul. Marin. Lol. Trop drôle. Rends-moi ton fion. Et je te dis où tu es. Aïe. Voilà pourquoi il faut traiter les hémorroïdes avant que ça n'arrive. Ça, c'est les grandes sortes des tortues qui ont bouffé mexicain. C'est des tortues MLGF, on est 360 avant de te tirer avec leur anus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de licorne, t'as tout compris. Tellement de licornes ont dû mourir, je te le fais pas dire. Ah. Tout ça pour 4 dragées qui ne me servent à rien, parfait. C'est vraiment super ce jeu, vraiment je sens ce sentiment d'accomplissement lorsque j'arrive à faire un 100%. C'est beau. Donc on a tous les sorts, on a pratiquement toutes les cartes de sorcières et sorciers célèbres, et on va avoir le Flipendo amélioré. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt bien. Incendio. Ne parlons pas de ça. C'est quand même rare quand je vois des chats de stream où il y a des messages qui disent ne parlons pas de ça, il y a trop de filles sur le stream. J'ai très rarement entendu ça. C'est beau quand même. Vous représentez près de 30 à 40% de la chaîne, n'empêche les filles. C'est important. Faites-vous connaître. Ron, c'est toi? Que fais-tu à cette licorne? Ah, c'est moche. Putain, le narrateur, mais genre, il a été embauché pour combien de fois? Un centaure, nommé Firenze, sauva Harry de justice, Firenze. Puis l'emmena sur son dos jusqu'à... Et tu auditore da Firenze. Firenze lui expliqua que le sang de licorne avait le pouvoir de maintenir en vie quelqu'un qui... En fait, je comprends mieux pourquoi il a cette gueule, parce qu'en français, normalement, il devrait s'appeler Florence. La silhouette encapuchonnée qu'il avait vue dans la clairière était celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. Ah ben je sais pas, c'est à vous qu'il faudrait poser la question. Pourquoi vous me suivez? C'était moi, Unari. Tu dois absolument éviter d'approcher quiconque ose tuer une licorne et boire son... Franchement, Ron, t'es dégueulasse. Si jamais c'était Lord Voldemort, je veux dire, tu sais qui, tu ferais bien d'être très prudent. C'est l'être le plus dangereux du monde. Il est roux, c'est dangereux ou pas? J'ai un cadeau pour toi, Harry. Et je l'ai fait moi-même. Un parapluie. Un pipeau, d'accord. Ce
Certaines créatures se détendent lorsqu'on leur joue de la comme musique. Comme moi, par exemple. C'est tellement vrai que si tu joues la bonne mélodie à la bonne créature, tu as de fortes chances. Et depuis de ce jour-là, j'écoute toujours de la musique avant de m'endormir. Et pendant que je dors, d'ailleurs, aussi. J'ai une playlist qui tourne en boucle toute la nuit. J'ai 5 heures de musique, du coup, j'ai le temps de m'endormir. C'est air que je jouais à mon touffu adoré. Essaye-la sur cette chouette effraie que j'ai recueillie. Elle a besoin de faire une bonne sieste. Mais une chouette dans sa vie, ça sert à quoi à part dormir? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ce gameplay, quoi. J'ai vraiment l'impression de gogoliser, je sais pas pourquoi. En un clin d'œil, si seulement Touffu s'endormait aussi facilement. Mais tu ferais mieux de retourner en cours maintenant. En vrai, merci de vrai, sérum, il a pas base de 100 degrés tellement il est con. Tu es vraiment un ami. J'ai fait des recherches sur Nicolas Flamel, le sorcier dont Hagrid nous a parlé. C'est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Sinon, j'ai une question, on dort quand ? Il paraît qu'elle a le pouvoir de rendre immortel. Si elle est ici, Rogue doit certainement essayer de la voler. On dit même que tu sais qui serait dans le coup. Nous devons trouver un moyen de passer devant Touffu. C'est sûrement là que la pierre se trouve. Mais pourquoi tu vas aller la chercher ? Ron et moi, on te retrouve au deuxième étage, près de la porte qui mène à Touffu. Ron qui a marché nous dans une merde. Nous devons absolument mettre la main sur cette pierre. Allez Ron, dépêche-toi. J'arrive. Les interventions de Ron en mode « Oh, tu me gonfles, vas-y, tu me fais chier. Pourquoi tu me casses les couilles comme ça ? Hein ? J'arrive. M'emmerde pas. » Alors du coup, avant ça, il faut que j'aille voir les jumeaux débiles, là. Il faut que j'aille voir les Daft Punk. Mais du coup, il est où le tableau pour... Ah si, je crois savoir. Ron, il a marché dans sa propre création. Il s'est fait... Ah putain, ça colle. C'est joliment dit, je m'étonne moi-même. Je m'aime. Tu mérites de t'aimer. Allez, voyons voir. Du coup... En vrai, j'ai aucune idée de où se trouvent les 5 dernières cartes. On va dire qu'on s'en fout, non ? Ah, c'est bien. Alors du coup, avant ça... J'ai la musique dans la tête, c'est malin. Attendez, il y a trop de portes fermées là, ça me stresse. Extra, Kirby. Harry. Quoi? Tu as trouvé les dragées qu'il nous fallait. Merci pour les dragées, Harry. T'es au courant? Il paraît qu'il y a un troll qui traîne par ici. Bah, il pue encore plus que les chaussettes c'est de gratos, mon frère Percy. C'est gratos, on l'a Percy. Jamais vu, mais ok. C'est pas peu dire, crois-moi. D'accord. Et sinon, il est où ce putain de tableau, en fait? Nope. J'ai imité Kirby, moi. Ah, tu nous as gonflé tes joues. Ah. Ah, attendez, parce que en fait, je n'ai aucune foutue idée de l'endroit où je dois aller.
Ah, heureusement qu'on arrive à la fin quand même. Si on a du cul, on a fini avant minuit. Avec un peu de talent. Aïe. Ça fait mal. Mais j'aime quand ça fait mal. Ça lui fait une de ses races. C'est Amtaro ça, mais vous êtes vraiment trop con. Très bien. Mais il est où ce putain de tableau qui me manque? Attendez, il manque un tableau, ça me stresse. Harry, je crois que quelqu'un essaie de voler la pierre philosophale. Je crois que je m'en fous. Harry, je sais que tu es très courageux, mais non, promets-moi. Je m'en fous. Putain, j'ai pas mon Flipendo amélioré. Je suis deg. En attendant, mais je m'en fous de ça. Continue de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Attendez, enfin peut-être que j'ai pas compris quelque chose. C'est totalement possible. Serpentard. Griffon d'or. Serpentard est en tête du classement. La course à la coupe des quatre maisons bat son plein. Ah oui, sois pas vénère, c'est bon. Ah putain. Attendez. On arrive. Ah oui, du coup, j'ai chopé le sort amélioré, d'accord, j'ai compris. Voyons voir. Mais non, attendez. Moi, je veux le vrai générique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Voilà, moi, c'est ça que je veux. C'est l'heure d'Amtaro. Allez, profitez un peu. Putain, je vais mourir. Allez, voilà. Allez, j'ai pitié de vous. À l'école, mon surnom, c'était Amtaro. Ah, merde.
En fait, je pense que je l'ai, le sort amélioré, du coup. Je connais cette plante. C'est un filet du diable. Filet du diable, à l'ombre est vivace, mais au soleil trépasse. Essaie de repérer les enchaînements des mouvements de ces tentacules et utilise ton maléfice d'Incendio pour les neutraliser. Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. Ouais, on sait ce que ça donne hein, quand tu... quand on se prend des tentacules. Harry se retourne au couchi. Allez, ta gueule. À la prochaine. Oh non, mais c'était trop beau. Je connais cette plante. Bifle. Je suis ravi de le... Essaie de repérer... Bon, cette fois-ci. Attendez. Ma manette ne répond plus, très bien. De mieux en mieux. Ah. Pourquoi j'ai pas mon flip bend audio? Mais ta mère. Ta maman, elle vit de grandes aventures. Ta maman. Oh, la maîtresse tentacule. Mais what? Mais comment tu fais pour lui faire des dégâts à cette merde? Très bien. C'est la troisième mort, ça fait beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oh putain, j'en ai marre. Alors là, on rigole sur ça, mais après il y a les échecs. Et alors là, par contre, on va pleurer. Je connais cette plante. C'est un... Je suis ravi. Essaie de repérer. Essaie de rester. Allez, Harry, putain, bouge ton fion. Mais ça fait super mal. Mais niquez vos mères, mais. Putain. Mais c'est pas la festinière ici. Mais. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Oh là là. Toujours plus quoi. Mais je suis dégoûté, j'ai pas mon putain de Flipendo duo. Alors que pourtant j'ai débloqué les. Alors que pourtant j'ai les cendragés quoi, c'est dégueulasse. Flipendo. Flipendo. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah mais attends, mais elle peut m'atteindre jusqu'ici quoi. What? Ah. Mais putain, quel scandale! Mais quel scandale, les amis! Mais quel scandale! Bon, on a eu une heure.